L'Europe est une aventurière. Elle aime voyager. Elle est courageuse. C'est une exploratrice. Phileas aime rester à la maison. Il a de l'imagination. Il est casanier. Phileas et Pénélope sont différents et pourtant ils sont amis. J'ai suivi Pénélope dans la savane. Nous avons vu des antilopes, des gnous, des zèbres et des perroquets. Nous sommes allés sur une falaise. C'est très haut. On avait le vertige. J'ai navigué avec Pénélope jusqu'à une île et nous avons vu un dauphin et un scorpion. Puis nous avons dormi dans une cabane. Pénélope est avec moi près d'un volcan en éruption et nous sommes en danger. Pénélope et moi, on se promène dans la forêt, on regarde les animaux. Pénélope et moi, nous sommes allés près d'un iceberg et on a fait du patin à glace. Pénélope et moi, on a fait du patin à glace et après nous nous sommes cachés dans l'igloo. Pénélope et moi, nous sommes allés dans le désert, il faisait très chaud. Elle s'est assise, elle était fatiguée. Pénélope et moi, nous sommes promenés dans la campagne et nous avons cueilli un beau bouquet de fleurs. Pénélope et moi, nous avons failli toucher la lave du volcan. Je suis allée avec Pénélope en forêt, nous avons vu des sangliers. Pénélope est sur un ponton, elle a pêché un poisson, elle le relâche dans l'eau car il est trop mignon. Pénélope et moi, nous nous sommes promenés dans la campagne et nous avons vu des vaches, des chevaux et des cochons. Pénélope et moi, nous faisons du vélo dans la campagne. J'ai suivi Pénélope dans le désert, elle se protège du soleil, le soleil est joli mais brûlant. Sur la plage, j'ai vu un dauphin dans la mer avec Pénélope. Pénélope et moi, nous avons grimpé sur la montagne enneigée. Pénélope et moi, nous sommes partis à la montagne et nous campons ensemble. Pénélope et moi, nous sommes près d'un volcan. Une météorite fait fuir les dinosaures. Mais parfois, on aime rester dans sa chambre comme Phileas. Est-ce que ce voyage aura une fin? Que va faire Phileas? Et Pénélope va-t-elle poursuivre ce voyage? À vous de le découvrir!